Bonjour, chers apprenants. Je suis M. Aristide Lebongi, professeur de philosophie. Ce matin, nous allons continuer notre voyage de pensée, comme je l'ai toujours dit. Et nous allons amorcer le travail que nous avons commencé la semaine écoulée. C'est pourquoi, à la fin de cette séance, portant sur l'empirisme, l'élève de la terminale doit être capable de caractériser toute l'approche empiriste de la connaissance à partir des connaissances acquises. Mais bien avant de parler de la notion du jour, nous allons faire une petite rétrospective, c'est-à-dire revenir en arrière pour caractériser le rationalisme. Alors, c'est quoi le rationalisme? Le rationalisme vient du mot latin « ratio » qui veut dire « raison ». Voilà, du mot latin « ratio » qui signifie « raison ». Comment définir alors cette doctrine? Voilà. Le rationalisme est cette doctrine philosophique selon laquelle la raison est l'unique source de toutes nos connaissances. Autrement dit, la connaissance est exclusivement l'œuvre de la raison. La connaissance est l'apanage de la raison. Alors, à ce niveau, la connaissance est dite a priori. La connaissance est dite a priori, c'est-à-dire indépendamment de l'expérience, indépendamment des organes de sens. Donc, à ce niveau, a priori veut dire inné, ce qui ne dépend pas de l'expérience, ce qui ne dépend pas des sens. Les grands tenants de cette doctrine sont, à savoir, Platon et René Descartes. Bien, la question que nous allons nous poser, si la connaissance est innée dans l'âme, elle existe indépendamment de la sensibilité. Alors finalement, quelle est la place que les rationalistes réservent à la sensibilité ou encore aux organes de sens? Alors, selon Platon et René Descartes, les sens sont disqualifiés dans le processus de la connaissance pour la simple raison que le corps ou la sensibilité ne se limite que sur les apparences. Le corps ou la sensibilité n'est que la source d'illusion, autrement dit source d'erreur. Si nous voulons accéder à la connaissance, on doit absolument éviter le corps ou éviter les organes de sens. Donc, seules les idées de la raison ici sont claires et garantissent l'évidence, garantissent la connaissance. Bien. Cela étant dit, nous allons maintenant définir l'empirisme. Qu'est-ce que l'empirisme? L'empirisme vient du mot grec « empeiría ». Empeiría. Et empeiría donne quoi en français? L'expérience. C'est quoi l'empirisme? L'empirisme se définit comme cette doctrine philosophique qui fait reposer la connaissance sur l'expérience. Donc c'est la doctrine philosophique qui considère l'expérience entre parenthèses l'essence, voilà. Comme le fondement de nos connaissances. Voilà. L'empirisme, c'est la doctrine philosophique qui considère l'expérience comme le fondement de nos connaissances. Autrement dit, l'homme connaît grâce à l'expérience, grâce aux organes de sens. Voilà. Ainsi entendu, l'empirisme devient l'exact opposé. L'empirisme devient l'exact opposé du rationalisme. C'est-à-dire que l'empirisme s'oppose au rationalisme. Pourquoi? Parce que le rationalisme met en avant la raison. Or, l'empirisme met en avant l'expérience sensible. L'expérience sensible. Voilà pourquoi nous avons dit les sens. Donc, lorsque nous parlons de l'expérience sensible, nous pensons à la sensibilité et chez l'homme, on fait recours aux organes de sens. Alors, quelle est la nature de la connaissance à ce niveau? La connaissance n'est plus a priori. Donc, la connaissance n'existe plus indépendamment des sens. La connaissance devient a posteriori. A posteriori. La connaissance dépend de l'expérience sensible. Il n'y a pas de connaissance en dehors de l'expérience sensible. Alors, du coup, nous comprenons que au départ, l'âme n'a pas de connaissance. L'âme est vide. L'âme est vide. Donc, sans le contact des sens avec le monde extérieur, l'homme ne peut pas avoir les idées dans son âme, l'homme ne peut pas accéder à la connaissance. Bien, les principaux tenants de ce courant, de cette doctrine sont John Locke et David Hume. Voilà. John Locke et David Hume. Alors, nous allons rapidement examiner la conception de chaque philosophe. Bien que les deux soutiennent la même chose pour dire que la connaissance résulte de l'expérience sensible, mais chacun a sa manière de procéder. Nous allons prendre d'abord John Locke. Bien, qu'est-ce que nous pouvons dire de John Locke? C'est un philosophe empiriste anglais du XVIIe siècle. Un philosophe empiriste anglais du XVIIe siècle. Il est l'auteur de plusieurs œuvres. Mais l'ouvrage que nous allons exploiter ce matin pour clarifier son empirisme s'intitule « Essai philosophique concernant l'entendement humain ». Essai philosophique concernant l'entendement humain. Alors, cet ouvrage a été publié en 1670. Alors, chers apprenants, dans cette œuvre, John Locke se donne pour tâche critiquer l'inéisme de René Descartes. Donc, il critique la théorie cartésienne de l'existence des idées inné. Alors, comme pour dire que selon Locke, la connaissance n'est pas innée. La connaissance est plutôt acquise au moyen de nos facultés naturelles, qui ne sont rien d'autre que nos organes de sens. Voici ce qu'il dit. Il y a des gens qui suppose comme vérité incontestable l'existence de certains principes innés, de certaines notions primitives empreintes et gravées, pour ainsi dire, dans notre âme, qui les reçoit dès le premier moment de son existence. Et si j'avais affaire à des lecteurs dégagés de tout préjugé, je n'aurais pour montrer la fausseté de cette supposition Caleur enseignait que l'âme, l'homme peut accéder à la connaissance, à la certitude des choses sans avoir besoin de ces notions dites primitives. Les hommes sont capables d'accéder à la véritable connaissance des choses rien que par l'usage de leurs facultés naturelles. Alors cela signifie quoi? Que les hommes peuvent connaître tout ce qui leur entoure, tout ce qui les entoure, rien que par l'usage de leurs organes sensoriels. D'ailleurs, grâce à la vue, on peut distinguer les couleurs. C'est grâce au goût que l'on peut distinguer les saveurs. Grâce à l'odorat, on peut distinguer les odeurs. Grâce au toucher, on peut faire la différence entre ce qui est mou et ce qui est dur. Alors, grâce au goût, je l'ai dit, on peut distinguer les saveurs. Autrement dit, ce qui est amer de ce qui est sucré ou de ce qui est salé. Bref, c'est pour autant dire que les organes de sens permettent à l'homme de rentrer en contact avec le monde extérieur. Et grâce à ce contact, l'homme accède à la connaissance. Du coup, nous comprenons par là que, au commencement, l'âme est vide, sans tâche. Et voici ce que John Locke dit en substance. À l'origine, l'âme est ce qu'on appelle une table rase. L'âme est ce qu'on appelle une table rase, vide de tout caractère. Vide de tout caractère, sans aucune idée. Sans aucune idée, qu'elle soit. Sans aucune idée, quelle qu'elle soit. Bien. Il y a une partie que nous avons sautée. À cela, je réponds en un mot de l'expérience. À cela, je réponds en un mot de l'expérience. C'est là le fondement de toutes nos connaissances. C'est là le fondement de toutes nos connaissances. Alors, il y a une partie de la pensée que nous avons enlevée. Alors, je vais reprendre la lecture. À l'origine, l'âme est ce qu'on appelle une table rase, vide de tout caractère, sans aucune idée quelle qu'elle soit. Vous voyez, il y a une partie que nous avons enlevée. Et dans cette partie, John Locke pose au total 3 questions. D'abord, comment parvient-elle à recevoir des idées? Donc, comment l'âme arrive-t-elle à recevoir des idées? Par quels moyens l'âme en acquiert-elle cette prodigieuse quantité d'informations que l'imagination de l'homme, toujours sans borne et agissante, avec une variété presque infinie? Et la troisième question, d'où puisse-t-elle tous ces matériaux qui constituent l'objet de ses réflexions, l'objet de ses raisonnements? À ces 3 questions, John Locke répond de l'expérience. Comment l'âme arrive-t-elle à avoir des idées? De l'expérience. Par quel moyen l'âme acquiert-elle cette prodigieuse d'informations qui lui présente avec une variété presque infinie? De l'expérience. D'où puisse-t-elle tous ces matériaux qui constituent l'objet même de ses raisonnements? John Locke répond de l'expérience. Voilà pourquoi il dira par la suite, c'est là le fondement de toutes nos connaissances. Autrement dit, toute la connaissance humaine résulte de l'expérience. Donc, à la naissance, l'âme est vide, l'âme est pure, sans tache, immaculée. L'âme ressemble à une tablette de cire. Par exemple, l'âme du nouveau-né. Voyez? Dans l'âme du nouveau-né, il n'y a rien, il n'y a aucune idée, il n'y a aucune connaissance. Donc, c'est par le truchement des organes de sens que l'âme arrive à avoir des idées. Comme pour dire que rien n'est dans l'âme qui n'a été d'abord dans les sens. Autrement dit, les organes de sens fournissent à notre âme les idées et les connaissances. Donc, sans le contact des sens avec le monde extérieur, l'âme ne saurait avoir des idées. Alors, du coup, John Locke remet en cause la théorie cartésienne de l'existence des idées innées. Bien, à côté de John Locke, il y a aussi un autre empiriste qui est plus radical que lui. Il s'agit de David Hume. Et comme son prédécesseur, lui aussi est un philosophe empiriste anglais, mais du XVIIIe siècle. Qu'est-ce qu'il faut retenir de la pensée de David Hume? Alors, David Hume pose 3 questions. Dans son empirisme, il répond à 3 questions. La première, d'où procède la connaissance? La deuxième question, comment l'âme procède-t-elle à construire ses raisonnements? Comment l'âme possède-t-elle? Non. Pour raisonner, voilà. Pour raisonner. Et pour construire la connaissance. Voilà. Et pour construire la connaissance. La troisième question. Comment l'âme parvient-elle à la validation . Comment l'âme parvient-elle à la validation des connaissances? Je vais rapidement relire les questions. D'où procède la connaissance? Comment l'âme possède-t-elle pour raisonner et pour construire? Voilà, construire. Construire. Pour construire la connaissance, enfin, comment l'âme parvient-elle à la validation des connaissances? Alors, à ces trois questions, David Hume donne une seule réponse, à savoir de l'expérience. Donc, d'où vient la connaissance? La connaissance vient de l'expérience. Comment l'âme procède-t-elle pour raisonner et pour construire la connaissance? David Hume dit de l'expérience. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au départ, l'âme est vide. Donc, il revient sur la théorie de l'âme comme table rase développée par John Locke. Au départ, l'âme est vide. Alors, c'est l'expérience qui lui fournit les idées. Alors, du coup, l'âme ne reste pas passive. L'âme va travailler les données reçues de l'expérience au moyen de la réflexion. C'est pour dire que l'âme fait la synthèse. Comment l'âme parvient-elle à la validation des connaissances? Comment l'âme peut savoir que cette connaissance est vraie ou fausse? La réponse est claire. C'est à partir de l'expérience. Alors, c'est pour autant dire que l'expérience est la source de la connaissance la plus fiable. Et l'âme ici devient en quelque sorte comme une espèce de théâtre où plusieurs perceptions font successivement leur apparition. Donc, sans le contact du corps avec le monde extérieur, l'âme ne peut pas avoir les idées. Donc, nos idées naissent à partir de quoi? Naissent à partir de l'expérience, naissent à partir du contact entre le corps et le monde extérieur. Alors, pour terminer avec David Hume, chers apprenants, ce qu'il faut retenir, c'est que l'homme a deux sources. Deux sources de la connaissance. La première source, c'est l'expérience. Et la deuxième source, c'est l'âme. Seulement, la connaissance que nous avons au moyen de l'âme vient avant tout de l'expérience. Ce sont les impressions sensibles, donc les couleurs, les sons et autres, qui donne à notre âme les matériaux de la connaissance. Et enfin, David Hume ne s'arrête pas là, il évoque la question de la causalité. Chaque cause a toujours un effet. On ne peut pas concevoir un effet sans cause. Et nous avons l'habitude de dire, il n'y a jamais eu de fumée sans feu. Entre la fumée et le feu. C'est quoi la cause? C'est quoi l'effet? La cause, c'est le feu et l'effet, c'est la fumée. C'est pour autant dire que l'observation répétée de ce phénomène ferait que l'individu puisse acquérir une certaine expérience et cette expérience qui lui donne l'habitude ferait que nous connaissons par l'habitude. Donc, la théorie de la causalité ne peut pas être expliquée de façon a priori. C'est-à-dire ce n'est pas quelque chose qui est connu d'avance, mais nous expliquons cette théorie au moyen de l'expérience. Voilà pourquoi, dans son ouvrage titré « Enquête sur l'entendement humain », David Hume dira « Ce n'est pas la raison, mais c'est plutôt l'expérience qui nous instruit des causes et des effets. » Alors, chers apprenants, nous sommes arrivés au terme de notre voyage. Ce qu'il faut retenir sur l'empirisme, c'est que la connaissance ici est a posteriori, c'est-à-dire la connaissance dépend de notre perception. Autrement dit, la connaissance relève des organes de sens et non de la raison qui est au départ vide. Bien, prochainement, chers apprenants, nous allons étudier une autre doctrine, le criticisme. Le criticisme avec Emmanuel Kant. Bien. Merci, chers apprenants. Je sais que vous étiez nombreux à nous suivre depuis votre petit écran et nous allons nous revoir d'ici peu pour continuer notre voyage avec Emmanuel Kant. Au revoir.